Jésus, paix sur lui, dit dans le Saint-Coran, dans Sourate Al-Imran, chapitre 3, verset 49, il est dit: Wa rasoulan illa bani Israël, et il sera messager qu'aux enfants d'Israël. Comme j'ai dit, chaque prophète était envoyé pour un peuple déterminé. Jésus avait été envoyé que pour les enfants d'Israël. Et son message était censé être suivi depuis son apparition jusqu'à ce qu'un nouveau messager arrive, jusqu'à ce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam arrive. Et le même message est donné dans la Bible. Si nous disons que Jésus n'est venu que pour les enfants d'Israël par le Coran, les chrétiens ne vont pas l'accepter. Mais si on leur montre les versets de la Bible, ils sont obligés de l'accepter. Matthieu chapitre 10, versets 5 et 6, il est dit: « N'allez pas vers les païens, vers les samaritains, mais allez plutôt vers les brebis perdues de la maison d'Israël. » Et le même message, un message similaire, est répété dans Matthieu chapitre 15, verset 24, dans lequel il est dit: « Je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. » Donc Jésus, paix sur lui, n'a été envoyé qu'aux enfants d'Israël, que aux juifs. Et je vous ai dit, si l'on présente ces versets, les chrétiens sont censés l'accepter et accepter le fait que Jésus n'ait été envoyé que pour les enfants d'Israël. Mais ceci n'est pas vrai. Les chrétiens ne vont jamais accepter ceci. Car s'ils acceptent ceci, cela signifie qu'ils ne sont pas sauvés par le sacrifice, prétendu sacrifice que Jésus a fait pour eux. Et donc que leur religion est vaine. Ils ne peuvent pas l'accepter ceci. Donc ils sont obligés de réfuter ceci. Et pour réfuter ceci, ils utilisent souvent ces deux versets. Matthieu chapitre 28 au verset 19 et Marc chapitre 16 le verset 15. Donc si nous lisons ces deux versets, qu'est-ce qu'il est dit dans ces deux versets? Matthieu chapitre 28 verset 19, Marc chapitre 16 verset 15. Il est dit: Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Allez donc, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Marc chapitre 16 verset 15 dit un message similaire, donne un message similaire, puis il leur dit: Allez dans le monde entier, proclamez la bonne nouvelle à toute la création. Ces versets contredisent les deux versets cités précédemment. Donc ces deux versets que nous avons ici contredisent ces versets que nous avons cités ici. Mais les chrétiens disent que non, ceci n'est pas une contradiction. Il s'agit, selon les chrétiens, d'une abrogation. Nasr, comme dans le Saint-Coran, il y a des abrogations. Ils disent que ceci est également une abrogation. C'est-à-dire que Jésus au début n'avait été envoyé que pour les juifs, mais vers la fin de sa mission, il avait été envoyé pour toute l'humanité et il est venu dire qu'il est envoyé pour toute l'humanité lorsque sa mission a été faite. Et nous savons également que Matthieu chapitre 28 verset 19 est également, ce verset a également été modifié et a subi des modifications. Si vous avez remarqué, Matthieu chapitre 28 verset 19, c'est le dernier chapitre. Marc chapitre 16 verset 15, c'est le dernier chapitre. Et verset 19, verset 15, c'est à peu près les derniers versets, plus ou moins. Matthieu chapitre 28 comprend 20 versets. 19, c'est l'avant-dernier verset. Et Marc comprend également 20 versets. 15, c'est 5 versets avant la fin. C'est donc dans le dernier chapitre, à chaque fois dans le dernier chapitre, que l'on retrouve ces termes-là. Cette phrase, comme quoi Jésus aurait été envoyé pour toute l'humanité. Dans les derniers chapitres des deux premiers évangiles. C'est assez bizarre. Et nous savons, par les savants chrétiens, les chrétiens eux-mêmes disent que Matthieu chapitre 28, verset 19, aurait subi des modifications avec Eusèbe, etc. Mais bon, bref, on ne va pas rentrer dans ces détails-là. Et Marc chapitre 16, verset 15, les chrétiens eux-mêmes reconnaissent que ce passage-là, que le passage ici est une fabrication, est une falsification. L'évangile selon Marc, le chapitre 16, à partir du verset 9 jusqu'au verset 20, c'est en fait une conclusion qui a été ajoutée bien plus tard et qui n'existait pas à la base dans la Bible. Et il y a deux types de conclusions qui existent, c'est pour ça que l'on dit que ce passage est une fabrication, une innovation dans la Bible, et ces passages n'existaient pas dans les originaux. Donc, qu'est-ce qu'il est dit de Matthieu chapitre 9, verset 20? Ce sont des conclusions qui ont été ajoutées plus tard. Et il existe deux types de conclusions.
la conclusion longue et la conclusion courte. Et certaines de ces Bibles contiennent, certaines Bibles contiennent la conclusion longue, et c'est ce qui se retrouve dans la majorité des Bibles actuelles, et certaines Bibles contiennent la conclusion courte. Et certaines Bibles parfois citent même les deux conclusions. Et moi, je dirais que ces passages-là contredisent la Bible. Ce passage-là, j'ai dit qu'ils contredisaient cela. Eux, ils disent non, il ne s'agit pas d'une abrogation, mais d'une... il ne s'agit pas d'une contradiction, mais d'une abrogation. Moi, je dis qu'il s'agit quand même d'une contradiction. Parce que, s'il s'agit d'une abrogation, rien ne doit venir contredire l'abrogation en elle-même. Mais ici, il y a un passage qui contredit l'abrogation en elle-même. Lorsque Jésus paie sur lui, pour rafraîchir vos mémoires, lorsqu'il avait été mis sur la croix, Jésus sur la croix a dit « Tout est accompli ». C'est mentionné dans, dans Jean chapitre 19, verset 30. Vous pouvez aller lire Jean chapitre 19, au verset 30. Jean chapitre 19, verset 30, lorsqu'il a été, Jésus a été mis sur la croix, il a dit « Tout est accompli ». Et par la suite, dans Matthieu chapitre 28, verset 19, Marc chapitre 16, verset 15, après sa prétendue mort et sa résurrection, on apprend que Jésus donne un nouvel enseignement. Et il dit d'aller prêcher, d'aller enseigner à tous les, toutes les personnes que Jésus n'est pas venu uniquement pour les enfants d'Israël, mais d'aller les prêcher qu'il est venu pour l'humanité entière. Coup de théâtre, Jésus est venu pour l'humanité. Et en plus, le pire, c'est qu'il l'annonce au dernier moment, juste avant de partir. Et une question qu'il faudrait se poser, c'est pourquoi Jésus, paix sur lui, ne l'a-t-il pas annoncé plus tôt? Quel est le but de cette abrogation? Quel est le but du fait de dire au début que je ne suis envoyé que pour les Juifs, mais à la fin de se révéler avoir été envoyé pour toute l'humanité? Quel est le but dans ce cas? Est-ce qu'on ne dit pas qu'un homme averti en vaut deux? Pourquoi n'a-t-il pas prévenu les non-juifs à l'avance? Pourquoi ne nous a-t-il pas prévenu à l'avance? Et juste au dernier moment, il ne nous a pas prévenu nous, mais il a prévenu ses disciples d'aller nous enseigner à nous. Jésus dit bien, écoutez ceci, Jésus dit tout est accompli lorsqu'il était sur la croix, et au dernier moment il vient et il donne un nouvel enseignement, ce qui contredit la Bible. Alors ce qui signifie que soit Jésus a menti, soit Jésus s'est trompé. Nous ne pouvons pas accepter le fait que Jésus ait menti. Nous ne pouvons pas accepter ceci. Jésus dit tout est accompli, et puis il donne un nouvel enseignement. C'est ce qui veut dire que tout n'a pas été accompli, et donc que Jésus, paix sur lui, aurait menti dans Ouzoubilda. Nous ne pouvons pas croire à ceci. Lorsque Jésus, paix sur lui, a dit tout est accompli, ça signifie que la mission de Jésus était terminée au moment où il a prononcé ces mots. C'est-à-dire qu'une fois que la mission est terminée, il ne peut pas donner de nouvel enseignement. Une fois que c'est terminé, un point c'est tout. Maintenant, une question qu'il faudrait se poser, c'est qui est-ce qui ment là-dedans, dans cette histoire? Qui a menti? Est-ce que c'est Jésus paix sur lui qui a menti lorsqu'il a dit tout est accompli? Ou bien est-ce qu'il a menti lorsqu'il a dit d'aller prêcher à toutes les nations? Donc soit c'est Jésus qui a menti dans les deux cas, c'est-à-dire lorsqu'il a dit... Soit il a menti lorsqu'il a dit que tout est accompli, soit il a menti lorsqu'il a dit d'aller prêcher à toutes ces nations, ou bien soit ces versets, la personne qui a écrit ces versets a menti et a attribué ces versets à Jésus alors que ces versets n'appartenaient pas à Jésus. Ce sont les trois cas possibles. Et réellement, une personne sincère opterait pour la troisième proposition. Jésus ne peut pas mentir, c'est la personne qui a écrit ses propos et qui les a proposés comme étant de Jésus paix sur lui. C'est cette personne-là qui a menti et non pas les Jésus paix sur lui. Les deux premières propositions sont correctes.